Il est 17h, 17h15 à peu près. Voilà, j'ai rentré du boulot et ça y est, je suis en week-end pour 3 jours. Donc je suis trop contente. En plus, il fait un temps magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Ce matin, je vous ai filmé un peu ma préparation. Bon, j'ai fait ça rapidos parce que c'est vrai que le matin, moi, je me speed tout le temps. Pourtant, comment je peux me mettre? Pourtant, là, j'ai pas Alexis, mais bon, je me lève au dernier moment. Voilà, je déjeune, je prends ma douche et j'y vais quoi. Pas le temps de respirer. Comme ça, je peux me lever un peu plus tard et tout. Donc voilà, donc je vous ai filmé ça, je sais pas si ça vous plaira ou quoi. Je suis pas vraiment à mon avantage, mais bon, bref. Donc voilà, week-end pour 3 jours. Demain midi, on va certainement, donc demain midi samedi, on va certainement aller au restaurant avec David. Je sais pas encore si on se fait un El Rancho, si on se fait un Memphis, si on part ailleurs, si on va, je sais pas, ça va dépendre du temps. Parce que s'il fait beau, voilà, on peut peut-être aller traînailler à Versailles. Se promener et tout, on verra. On essaiera demain. Ce qui est sûr, c'est que demain midi, on va au restaurant. Voilà, donc ce soir, au programme pareil que hier soir. Donc c'est programme glandouille. Voilà. Je suis contente, ça fait du bien quand même de rien faire, d'avoir pensé à rien et tout. Par contre, les enfants de David là, vont arriver pour les vacances. Donc, il va falloir que je libère la chambre où je suis pour me mettre, bah, du coup, comme Alexis, voilà, je vais me mettre sur le bureau d'Alexis. Donc, donc je vais peut-être faire ça ce soir. Voilà, comme ça je serai tranquille demain, parce que demain ils arrivent vers 18h normalement. Donc voilà, donc je vais peut-être faire cette petite intervention immédiatement. Donc voilà, j'ai tout ce bazar à ranger et à transvaser sur le bureau. Plein de trucs, plein de trucs partout. Je me suis un peu étalée, les amis. Bon allez, c'est parti. Donc là j'ai passé un coup d'éponge et tout. Comme le truc à ranger. En fait c'est chiant parce qu'en plus je m'étale. Donc voilà, je repense de l'autre côté, ceci, cela. Oh là là, je suis plein de bordel. J'aurais d'avoir un bureau avec des tiroirs, des rangements, des casiers, tout ça. Mais bon. Contrairement à. Parce que des fois Myriam m'a dit on dirait que c'est super grand chez toi, mais en fait ça, non c'est. Normal, ça fait 90 mètres carrés, donc c'est une maison, mais voilà, j'ai pas, je peux pas avoir une pièce pour moi. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Enfin, je me plains pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Je suis pas en train de vous dire, j'aimerais bien avoir une maison. Oui, j'aimerais bien avoir un bureau à moi, mais voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'ai fait. Voilà, bon, c'est bon. Ça, je laisse. Il y a le truc, tiens. Le truc du chinois. Du Jap. Je crois que ça aura peut-être se commander un Jap. Je vais soumettre l'idée à David en disant. C'est, enfin, bon, c'est ce qu'on fait le vendredi soir, hein, généralement. Donc voilà, donc je continue mes branchements et tout. Voilà, j'ai commencé à monter le vlog là. Avec mes petits trucs de ce matin là, où j'ai mis en accéléré. Je mets que x2. Voilà, voilà, voilà. Je suis. En fait, je suis. Comment dire? Je suis trop soulagée de ce week-end. Je suis super contente. Je me sens bien. C'est cool, quoi. Peut-être qu'on va se faire un petit apéro même avec David ce soir. Donc, moi, avec du Schweppes à Grum 0. Je peux très peu d'alcool. Je sais pas si je vous l'ai dit. Puis voilà, quoi. Bon, on va voir. On est sur un petit apéro, on regarde la télé, on se donne des nouvelles.
Allez, je vous laisse. À plus tard, mes amis. Les amis. Donc là, il est 7h10, 19h10. Donc finalement, on ne va pas commander du japonais, mais on va aller manger directement là-bas. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un resto qui fait à la fois... C'est un resto asiatique qui fait à la fois et du chinois et du japonais. Et l'avantage, c'est qu'on peut y aller à pied, parce que c'est à quoi 800 mètres. Donc ça, c'est vraiment sympa. En plus, il fait pas froid, enfin, il pleut pas, tout ça. La dernière fois, on était revenu, on était trempé. Enfin bref, laisse tomber. Donc on va faire ça comme ça, on va... Parce que on aurait pu commander, mais là David, il fait plein de trucs, il court partout et j'ai envie qu'il se pose un peu et tout, parce que sinon il se pose pas et tout, donc ça m'énerve. Enfin ça m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme ça on va se poser tous les deux, ça va être bien sympa. Donc je pense pas filmer parce que chaque fois que je vous filme, je vous ai déjà filmé. Enfin bon. Bon évidemment pour les nouveaux, bref. Enfin je vois, mais je pense pas. En plus, il est fort probable qu'on se refasse donc un petit resto demain midi. Donc voilà. On profite, on profite, on adore ça. Et de toute façon, après, voilà, les enfants de David arrivent. Je ne sais plus si je vous ai dit, finalement, le fils de David, donc il vient bien. Donc j'ai changé de bureau, mais il repart lundi. Donc je changerai de bureau. Ou alors je resterai peut-être là parce que je suis pas mal, pas si mal en fait. Mais bon, de toute façon, quand Alexis va revenir, enfin, je rebouge. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc demain soir, on va emmener une des filles de David chez ses grands-parents. Donc on va aller manger chez les parents de David demain soir. Ils ont prévu une raclette. Donc ce sera la première raclette de l'année. Donc c'est cool. Donc évidemment, là-bas, je pourrais pas filmer. Hein, ça va de soi. Donc voilà. Bref. Mais j'essaierai de filmer dans la journée si on va au resto ou quoi. Ou qu'est-ce que ça. Donc mes amis, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Lol. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Je crois que je dis n'est-ce pas, parce que je dis jamais n'est-ce pas. Je crois pas. Bisous. Oups.